Il est en train de finir. Donc là voilà, pour fêter la mise en place du pont de l'oncle Slim, je lui ai ramené un tiramisu sans alcool. Nouvelle. Allez, vas-y. Ta facture pour les frais du pont, frérot. Allez, facture-moi. Attends, je sors tout de suite la carte bancaire. Ma carte bancaire. Frérot, j'ai arrondi. Ah, oh, très bien, attends. Ma carte bancaire. Renard. Il y a chèvre là-bas. Chèvre. Putain, ça a failli. Putain, c'est une vraie carte, je te jure. Il fait quoi, Moït? Payer mes amants. Il est où, chèvre? Chèvre, chèvre, il est où? Qu'est-ce qu'il fait, chèvre? Chèvre! Ça fait plaisir. Super. Eh, le mec, il dit ça, mais c'est... Hey, oh. T'as déjà fait ça quand t'étais jeune? Ouais, j'ai fait, ouais. Hein? Oh, merde. Attends, on l'a envoyé par mail. C'est beau la technologie. Frérot, c'est beau. Donc, le Sim, voilà. Combien de chevaux? On envoyé par mail. SS, combien de chevaux? Ah, 1500. Combien de chevaux, Gucci? Ma voiture? Oui. Bon, en fait, il y a tellement de gens qui me le demandent que j'ai pas envie de le dire. Non, en approximatif, juste en la TVA. Quasiment 2000. 2000 de TVA, donc je vous laisse faire le calcul du hors-taxe. Effectivement, c'est un très bon calcul de Pythagore. Pythagoras, Alphaeus. Donc là, aujourd'hui, on est là pour fêter la mise en place du pont de l'oncle Sim. C'est ça. Mais bon, le maître, il est venu de Dieppe juste pour ça. Oh putain, ouais. C'est un vrai poteau. Putain, t'as vu ça, putain. Pas comme certains. Mais il a mis un ponismo rouge. On suppose que ma maman a rouge nismo. Des mots volants en train de faire quoi, un live là, frérot? Hein? C'est un live. Non, non, on regarde juste l'homme d'affaires. T'inquiète pas. Donc, renoie nos moutons. Le mail a été envoyé cordialement. Donc, le Sim. On en est où sur le business? Attends, Gucci, il n'y a pas de papier. Non, t'inquiète, ça, je te le jeter, frérot. Oh, voilà, il a déchiré les contrats. Je te dis. Allez, je prends la porte. La porte, elle est là, frérot. Tu peux me laisser une voiture pour rentrer chez moi? Pour la GP. Regarde, dis-moi. Bon, bah, c'est bon. C'est bon? Une mission d'incompli. Eh, hey, ton livreur, c'est parti. Ah, on doit pas bientôt aller à. Où ça? Dans un endroit vers le nord. Allô? Bonsoir. Oh, businessman. Ah, on sait, c'est le garage, il y a un garage, la SS. C'est devant, là, tu vois? Le garage, on prend là. Non, mais les frérots, en fait, vous allez voir. En fait, il a fait un vrai business. Non, je suis là. C'est là, il en passe. Ouais, c'est là. Si bon! Donc là, c'est bon. Frérot, livraison de pièces de GTR, là, en direct live. Voilà. C'est bon. Voilà. C'est ici, 125 boulevard, je sais pas quoi, normalement. Putain, merci. Merci, frérot. Ouais, t'inquiète, je tiens. T'inquiète. Merci, frérot. Merci. Oh, putain, placement de produit. Patron, voilà, votre nourriture est là. Les filles, comme vous avez été gentils, je vais quand même vous offrir une petite canette. Je ferme parce que... Même si la vendeuse n'a pas été que avec moi. Voilà, si vous voulez des... On m'a vendu à 45% de remise. Voilà. Mais j'ai eu que 0% de remise. Ah! Eh, t'as vu? Eh, regarde. Je rigole, je plaisante. Le truc. Aïe, aïe, patron. Merci. Pas pour toi, rien du tout. Merci, je vous en supplie. Tiens, juste une canette. Putain, c'est trop. Leur employeur, depuis que j'ai fait la pub, il a augmenté. Oh, comme c'est ta copine, et comme tu m'as dit, c'est ma chérie, je te laisse lui donner. Non, parce que c'est toi le meilleur. Non, c'est mort. Les amis, il a craché. Toi, c'est un zéro. J'ai pris 1%. Putain, le café chez l'oncle Sim, il est cher, hein. Comme il n'y a aucun homme qui est gentleman, je vais vous les ramener. Un zéro. Je vais vous faire la visite du garage de l'oncle Sim. Ah, c'est bordel là-bas. Mais arrête. C'est les pièces secrètes de la GTR.
Eh, c'est les pièces secrètes de la GTR 1000 chevaux. Donc là, vous avez un superbe café de, à 50 centimes. Il offre le sucre et les cuillères. Bah attends, tu offres le café, moi je le fais payer. Moi. Voilà, le patron est là, il est assis. Échauffement de GTR. Oh putain, il va se faire virer. Il va le virer, attention. Il t'a viré ou pas? Pas encore? Il m'a laissé mise à pied d'une semaine. Oh putain, une semaine seulement. Moi, ça fait deux mois, il m'a mise à pied, frérot. Armitrix. T'as vu, à part les trucs élevés, Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu filmes? Coca-Chérie. Ouais. Et voilà, si jamais vous avez besoin de pièces chez LV. Céline. Ça sert à rien, on voit ta tête. Hein. Oh merde. Piston. Carbone. C'est quoi comme vilebrequin, frérot? VR6. De quoi? VR6. VR12. SCH. Nardo Grey. C'est dans la musique, ça, non? Je sais plus. Hein. Il est où, Rof? ROH2F. Jante. Galet tendeur, frérot. De quel véhicule? GTR. Ah, ça, c'est GTR, ça? Ah, ouais. Liquide de refroidissement Evian. Tracker pour savoir où est l'employé. Ouais. L'employé fantôme. Et moi je suis le stagiaire, les amis. Fantôme de chez Fantôme. Hubert, je vais pas bien le noter. Il va lui mettre la moitié d'une étoile. Et la GTR, les frérots. Elle est là. Son nouveau lit. Frérot, pour Noël, je crois que je vais t'acheter une housse pour la GTR. Parce qu'il fait froid le soir. Hein? Mais il faut prendre Nismo, non? J'ai un drap. Non, non, une vraie housse, frérot, avec marqué GTR dessus. J'en ai un, si tu veux. Il y a ma tête dessus, si tu veux, je te l'offre. Mais arrête de dire n'importe quoi. Ça mange beaucoup. Mais non, putain. Non, vraiment. Après les couilles, frérot. Non, mais c'est pour moi, c'est pour moi. C'est bien dur. Elle a une histoire, on sait. Elle est là pour maltraiter les gens. Tu vois pas, on met juste le drap et on laisse juste le phare, tu vois, ouvert. Genre, elle regarde quelqu'un. Voilà. Le stagiaire, il a travaillé sur la voiture, il se l'appelait. Bon. Nardo Grey. Gucci, Gucci. Je me casse. Brou. Camini. T'as ses yeux, frérot. Elle a des yeux. Ah. Bleu. Yeux bleus. Regarde ses yeux. Regardez-moi ses yeux. C'est à partir de quelle année qu'ils ont fait la signature en lettres comme ça là? 2015. Oh là là. Ils s'y connaissent tous, GTR. Al Guccino. Le créateur Nissan GTR m'a appelé pour la créer. Et moi j'ai fait les tapis. Il m'a dit qu'est-ce que tu penses. Je lui dis voilà, tu mets trois yeux par en dessous là. Les lentilles. Tu mets un éclair. Et tu raccordes tout. Et il m'a dit ok. Et moi frérot, il m'a appelé pour faire les tapis de sol. Le compteur aussi frérot, ça se fait pas. Oui, il pense que aux grosses pièces. Hein? Là, il a eu ses trucs. Ah ouais, il va partir. On va plus entendre parler de lui. Pendant 2-3 mois.
Elle nous a bien niqué. Faux. C'est la famille. Salade de tournevis. Bon, ça va. Salade, tomate, oignon. Sans crudité. Sans crudité. Mais t'as dit ça. Bon, frérot, la Porsche, elle est bien ou pas? T'as quelle Porsche? Ouais, bien, ça les amis, c'est une salade de tournevis. Quand tu vas voir ta meuf, en fait, tu viens avec ça et tu donnes ça. Les douilles toujours bien rangées. 50 euros plein, au lieu de 120 euros, ça fait plaisir. Combien de kilomètres avec le plein? Ça consomme, ouais, j'arrête, j'ai un. Le frérot, il a fait Firenze, Romain. En fait, ça, c'est toutes les villes qu'il a fait où il a vendu des caisses. C'est ça. T'es pas con, toi. T'es moins con qu'on en a l'air. Oh, putain, il est beau, hein. C'est pas moi qui ai la casquette à l'envers, salaud. CH. Oh là là. APR, frérot. APR Performance, c'est vraiment un bel aileron. Putain, il y en a eu des moustiques. On est d'accord. C'est bon. J'aime bien, moi. Ouais, c'est bien. C'est quoi le meilleur aileron que tu pourrais préconiser sur GTR? Ouais. APR. APR. Ouais. C'est le meilleur. Enfin, ouais. C'est le plus. C'est la. Bon, en fait, t'as plein de marques de pièces, mais t'as des marques de pièces qui sont bien pour certains véhicules et certains éléments qui sont bien pour certains véhicules. Ouais. Pas pour d'autres. Tu l'as bien dit. Et tu es revendeur officiel de Machimoto. APR m'a appelé quand il l'a vendu. Et je lui ai dit, voilà, tu fais ça. Tu mets un liseré rouge. Tu m'écoutes. Tu mets deux vis sur le côté. 4 vis en bas. Et tu pointes. Et la platine. Voilà. Je lui ai dit, je vais l'essayer. Si c'est bon, on commercialise. Mais il me donne rien, je sais pas pourquoi. Ouais, mais parce que t'as dit que t'allais faire un tour. Ah. Frérot, la voiture elle est toujours chez toi. T'es parti en Belgique, t'es parti partout. J'avoue. T'es parti aux États-Unis, t'es parti. En durant la voiture, je dis non. Ouais. Attends, je vais aller faire un essai en Tunisie aussi. T'es allé en Tunisie avec un. Dans ta Porsche. Frérot, Nissan et Porsche, ils s'entendent pas bien. Pourquoi t'as une Nissan et t'as acheté une Porsche? Hein? C'est que Nissan n'aime pas Porsche. Et Porsche n'aime pas Nissan. Parce que Porsche, c'est Dutch Quality. Non, Nissan, c'est Dutch. Nissan, c'est Japan Quality. De quoi? Japan Quality. Ça, c'est la chicha, donc le. Ah, ça. Ça c'est des coups. Hein. Ça, c'est que des coups. Moi, je suis parti. Ouais, on va faire attention. Je suis parti. Hein. Tiens, que je te bénis. Tu vas dormir où? Bah, je rentre, frérot. Tu rentres là? Ah oui. T'es venu faire l'aller-retour pour bah me oui. faire un bisou? Bah oui, frérot, pour récupérer mes feux. Bisous. Gros bisous. Attention. Ça, c'est le coup de tête, tu vois. Aïe, 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 putain. Il a la tête dure, putain. Trop de cerveau. Toujours 3, 4 sur moi. La tête dure comme les queues tures. Aïe, elle est pas mal celle-là. Bon, les gars, bonne soirée. Je viens quand tu vas chez madame. C'est par là, la porte. Je suis en train de raconter une connerie, frère. Putain, il me déçoit, là il me déçoit. Enfin, là, bien mangé. Là, attends, fais gaffe, je vais t'aider. T'as de l'énergie, là. Là, je pourrais faire 10 minutes, tu vas mettre pour moi. Ouais. Bon, allez, Nardo Gray. Bisous. RS4, bim bim. Bim bim. Oh putain. Frérot, pourquoi? Pourquoi il est comme ça? Je sais pas. Est-ce que à ton avis on va assister à un direct live d'un Cayenne sur un poteau ou pas? J'espère pas. Mais l'assurance, frérot, carrosserie, comme ça le planning, lundi il se remplit tout de suite. Aïe aïe aïe. Attention. Tout droit. Putain, regarde, on est obligé de faire à deux. Frérot, recule. Bon, la dernière fois qu'on avait fait une vidéo ici, il y avait cheval. Il est où cheval? Il est où cheval? Il n'y a plus de cheval. Attention. Attends, je protège le véhicule. Et en plus, c'est les poteaux qui piquent ceux-là.
Allez. Le réclin, il m'a arraché. Côté, déjà, regarde. Ça, c'est un réclin, attends. Ça, c'est le rendez-vous en carrosserie. Il voulait pas payer. Je lui dis, bah. Regarde. Monsieur. Feu rouge, frérot. Attention. Oh là là, quelle allure. Cramer pour cramer, vas-y. Moi, je suis pas sur la route. Non, c'est pour ça, vas-y. Vas-y, frérot. Non, recule, voilà, c'est ça. Parce que là, t'es. T'es de travers. Est-ce qu'il y a déjà des voitures qui ont eu un accident et qui se sont retrouvées genre ici, frérot? Non, pas encore. Ils ont eu peur. Non, ça va arriver. Oh là là, voilà. Allez, montre-lui qui tu es. Ah oui, il a vraiment montré qu'il était. Hein. PD. Q-Tech, fini avec Q-Tech, Q-Tech maintenant. Trop de chevaux, Alpha 19. Bon, vous allez voir, il va démarrer comme jamais. Elle est chaude. Ouais, mais t'as fermé les clapets, c'est pour ça. Et là, il pète une flamme, ça va dans le salon de quelqu'un. Voilà, en fait, tous les matins, en fait, elle se regarde dans le miroir. Ouais, dis-moi qui est la plus belle. Tous les matins, voilà, en fait, elle se regarde dans le miroir et elle se dit voilà. Je t'ai. Radiateur Michimoto. Michimoto. Bien, on les fait en noir, plus noir. Déjà, j'ai fait la lame en noir. Professionnel, aucune bavure. Carbone, faux. J'ai gagné des chevaux. Voilà, grâce à l'inscription. Thermostat Michimoto aussi. Alors. Le bocal, il arrive là, parce que il est en retard en Angleterre. Le radiateur Michimoto, il est mis. Le radiateur d'huile Mocal, il est mis. Les gros turbos sont mis. On doit être bon. Frérot, la durite, elle est plus grosse que la pièce, c'est normal. Laquelle? La durite du. La dub. Ah oui. C'est normal. Oui. J'ai fait une. Frérot, il y a ça. Pourquoi? Viens, on met le truc, non? Ah, le vérin, oui. Ouais. Voilà. Ça, pourquoi j'ai pas voulu mettre des vérins? Parce que tous les matins, tu fais le sport. Non, c'est du poids. C'est du poids, voilà. Tu perds la vitesse. Les vis, en fait, il y avait de la peinture, elle a enlevé. Non. Ça, c'était trop lourd. Ça, j'ai mis de la peinture, par contre. Non, ça, t'as enlevé, là. Ah, ça, j'ai enlevé. Ça. C'était gris, là, fait, vas-y, va. 100 grammes. Le bocal, 300 grammes. J'ai enlevé un litre ici, et un litre d'huile. J'ai gagné du poids. Tu vois? Tu comptes 3 litres d'huile. 3 litres de liquide. C'est comme les bouteilles Evian. 1,5 litre, ça sert à rien, on prend 1 litre, ça suffit. Les deux klaxons, je les ai enlevés. Tu les as mis à l'arrière, dans les échappements. J'en ai pas besoin. Qu'est-ce que j'ai supprimé aussi? Le piston. 6 cylindres, ça sert à rien, même avec 3, ça marche bien. Bon, en fait, il vous a laissé un peu de chance. Il a dit, vas-y, avec 6 cylindres, personne ne me rattrape. La courroie, je l'ai coupée un peu. J'enlève un cylindre. La courroie d'accessoires, je l'ai coupée un peu. Tu vois, ça sert à rien. T'as mis juste une dent? Ouais, j'ai mis qu'une dent. Ça tient super bien. La batterie, elle est encore là ou tu l'as revendue? Ouais, j'ai mis une batterie en carbone. En carbone véritable? Carbone blanc. Parce qu'en noir, ça prend trop de place. Ouais, c'est noir. Ça sert à quoi, ça? Oh, numéro de série, personne ne regarde. Oui. Oh, laisse-moi. J'ai fait mon contrôle technique. Voilà. Non, juste ça, pas le numéro de série. Je vais te montrer mon contrôle technique. Voilà. Oui, je sais, zéro truc. Zéro. Il est vierge. Zéro problème. Il est vierge comme une chèvre qui vient de naître. Parce qu'elle a fait ses 4 ans. Elle a fait ses 4 ans. Frérot, on montre pas les armes secrètes dans le coffre. Non. Voilà. Juste la tête de l'autre. Là, en fait, il a accéléré trop fort. Là, il a freiné. L'adresse. Il a freiné trop fort. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le disque de frein est sorti. Mon contrôle technique.
Il est vierge. Voilà. Il est vierge. Nissan GTR. Ouais, voilà. Je peux pas tout vous montrer, mais voilà. Voilà, il y a mes doigts dégueulasses. Regarde. Elle est de 2026. 2016. C'est normal. Ça fait depuis 2016 que voilà. Les jambes. Mon contrôle technique, je suis à jour. Ça veut dire que le moindre contrôle, tu dis à tes collègues que je suis à jour. Même avec l'élan, elle est passée, tu vois. Ils me disent pas qu'elle n'est pas homologuée, tu vois. Voilà. Normalement, on dit qu'il faut que ça soit plus petit que les rétroviseurs. Ouais, ça passe. Bah oui, c'est ça. Tu vois, en fait, t'es là. On a un papier pour rien. En fait. Voilà. Les documents administratifs. Bon, les musicons, on va le cacher. Non, on regarde rien. Non. Ça, c'est. Putain, frérot, il a accéléré tellement fort que le sparadrap, il allait se coller, se cacher. Putain, j'ai oublié. Il a dit, s'il te plaît, laisse-moi. Merde. Laisse-moi tranquille. C'est vrai, bah voilà, il est là. Ça, c'est ma boîte magique. Non, ça, c'est quand GTR, quand Nissan t'a donné le truc pour les 1 an de roulage. C'est un anniversaire. Voilà, une quand t'as passé les 50 km. Une montre GTR. Pour avec, toutes les personnes qui atteignent au moins 300 avec leur GTR, ils avec, envoient une montre. Avec son bracelet GTR en. En bas véritable. Voilà, porcelaine. Je me rappelle très bien ça. Voilà, tac. Elle n'est pas vendue avec, mais je le conseille à toute personne qui vend des GTR, un extincteur. Après celui-là, il est petit, il faut prendre le grand généralement. Et j'en sais quatre choses. Ouais, ça sert. C'est pour ça qu'il y a toujours un petit truc pour éteindre quelque voilà. Chose à côté. Mon petit parfum. Parce que malheureusement, il y en a qui sentent les pieds, frérot. Non, ça, c'est pour les odeurs de sang, frérot. Voilà. Voilà, c'est très bien. Comme ça, il n'y a plus de... Voilà. Quand il y a les chiens renifleurs, en fait. Là, on peut fermer le haillon. Regarde, c'est en carbone, frérot. Même avec un doigt, regarde. Oh, putain. Nickel. Lise rouge sur le nouveau APR 2020. Voilà, 21. R21 en rouge, si R21 c'est pas avec un liseré rouge. Ça lui a pas de slim. Les amis, je te jure. C'est, et je pense qu'il devrait t'engager, frérot, pour vendre. Quand ils ont conçu la voiture, ils m'ont appelé. Bah, je sais. Il y a ton nom dessus. Et il est où, frérot, voilà. Slim, on est là. SS. Voilà. Le radia, il est nickel. Le pare-choc est bien aligné d'origine. Là, tu le vois bien. Ouais, bah là, oui. Tu le vois bien. Ouais, bien sûr. La lame aussi. Alors, ça a été fait par un professionnel. Je peux pas dire un mot. Artiste. Je peux pas en parler. Artiste. Ça. Je peux pas vous dire. C'est aligné comme. Voilà, le feu, il a été brossé. C'est une GTR Louis Vuitton. Hein. Ouais. Louis Vuitton, un collègue. Non, c'est bien. Il y a juste un lavage à faire, mais malheureusement... Paul n'est pas disponible, il est avec... Il fait de la fontaine en ce moment. Il va comprendre pourquoi. Alarme qui fonctionne. Assurance grise, papier gris, pas vert. Oui, parce que quand c'est vert, en fait, ça attire les moustiques. Ouais, voilà. Gris assorti à la voiture. Ouais. Noir... Si la voiture elle est noire, blanc si elle est blanche. Voilà. Et là en fait elle décolle, elle part comme ça. Voilà. Ouais, tout droit. Putain, je sais même pas comment les poteaux. Ah bah oui, ils volent en fait, y a pas de problème. Bon bah très bien, enfin, merci. Ça donne envie de rouler. Où est disponible l'annonce de ce véhicule? Impôts.gouv.machin. Vous mettez le code promo SCS19 plus 33. Voilà, plus 33, plus 33%. Plus 50. Voilà. Tu pourras leur faire un autographe quand même sur le véhicule. Quand le nouveau propriétaire va l'acheter. À 300 000, ça va. Il a le droit, un petit. Tu peux venir la conduire c'est quand il veut. Si c'est pas la même. Habillé avec un costard cravate. Généralement, elle écoute. Pièces. Elle écoute que moi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Elle écoute que moi, là. Calme-toi. T'inquiète pas. On rigole, oh là là, tu vas rester. Par contre, il y a des traces de doigts, c'est normal. Je l'aurais bien monté, mais j'ai pas le temps. Voilà. Ouais. Bah, les amis, j'espère que vous êtes heureux. Voilà. Le véhicule sera disponible très prochainement sur quelle plateforme? Amazon? eBay. eBay.
eBay et n'hésitez pas à faire vos dons. Voilà. Vos dons du sang et vos dons d'euros. Je mets une cagnotte. Une cagnotte pas très chère. La participation n'est que de 500 euros par personne. Ça serait bien. Pour 0,2 chance de survie. Et voilà quoi. On se dit à plus tard et à l'année prochaine. Et merci.